New hair, new teeth, new jeans, do you see? New hair, new teeth, new jeans, do you see? New hair, new teeth, new jeans, do you see? New hair, new teeth. Look at the new me, switch it up. Who else thinks? Put it wrong. New jeans, so fresh, so clean. Searching for the heart that I cannot find. No matter how long I'm going, I feel there's only one I'm like. So maybe I'll keep on pushing myself back into the light. Cause I need your love. Hello mes colorés, c'est Kiki. Je suis trop contente de vous retrouver en ce mois de novembre pour l'organisation du mois. Comment est-ce que je rentre dans ce nouveau mois. Vous parlez également de mes objectifs pour le mois de novembre. J'arrive pas à croire qu'on soit en novembre déjà. L'année est passée à une telle vitesse. Dans quelques semaines, on sera en train d'ouvrir des cadeaux, de se souhaiter la bonne année. Mais c'est assez dingue. Je suis trop contente d'avoir passé à tout cas ces 11 mois avec vous, mes colorés. Vous avez été vraiment des boosters pour moi. D'ailleurs, en ce mois de novembre, je célèbre mes 1 an de vie organisée. Ouais. Déjà 1 an que j'ai eu le déclic et que j'ai décidé de ne plus être la bordélique que j'étais et de me lancer à fond dans l'organisation de mon intérieur, des repas. Ça a été du chemin parcouru, mais je suis vraiment fière quand je regarde en arrière de tout ce que j'ai pu accomplir. Et c'est également grâce à vous parce que tous les dimanches, vous vous connectez pour regarder mes vidéos et ça me fait tellement plaisir. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker la vidéo maintenant pendant que vous me regardez, de vous abonner si vous me découvrez, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et puis bien évidemment, laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Forgive me, baby, 'cause I need you now. I need all your love. I need all your love. Come back, come back. I need you like before. If I come, will you let me through the door? Oh no, oh, oh. If I make it work for sure. But I found, yes I found, you are the cure. Yes I found. Yes, I found you are the cure. I keep on fighting for this love I've fallen for. No matter how long I'm going, I feel I'll catch a life before. So maybe I'll love her out now, the way that she loved mine. Because I need her love, I need all her love. Alors, dites-moi comment s'est passé votre mois d'octobre? Quelles ont été vos victoires? Quels ont été vos challenges, vos regrets? Pour ma part, le mois d'octobre a été assez éprouvant moralement, mais ça a été également le mois où j'ai accompli pas mal de choses, donc je suis vraiment contente. Je vous en parlerai dans le courant de la vidéo. Pour ce monthly reset, donc qui veut dire une réinitialisation, un nouveau départ, lorsqu'on commence soit une nouvelle semaine ou un nouveau mois, je vais axer vraiment la vidéo sur le ménage parce que je n'aimerais pas me retrouver à fond dans le ménage en décembre parce que vous-même, vous savez, en décembre, on a tellement de choses à faire que les semaines passeront tellement vite qu'on ne verra même pas qu'on sera déjà en janvier. Donc, je prévois mettre l'accent sur le ménage tout le long du mois de novembre pour avoir une maison propre pour la nouvelle année au fait. Donc, je vais commencer par faire le ménage. Bien évidemment, je ne me mets pas la pression. Si je finis le ménage en une journée, c'est top. Si je ne le fais pas en une journée, vous allez être avec moi tout au long de la semaine jusqu'à ce que le ménage se fasse. Et même si je ne termine pas le ménage dans toute la maison, la semaine suivante, je pourrai toujours en faire. Franchement, c'est l'un de mes secrets pour pouvoir rester sur cette lancée de vie organisée, sachant que l'organisation n'est pas quelque chose que j'ai de manière innée. Voilà. Donc, je ne pourrais en aucun cas me comparer à une personne qui, de nature, est hyper organisée et
limite maniaque. Donc, je ne me prends pas la tête, je fais à mon propre rythme. Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille. Si vous me regardez et que vous avez vraiment du mal à vous organiser, faites ce que vous pouvez, jour après jour, essayez d'aller un peu plus loin et vous verrez que les choses prendront forme petit à petit. The effect you have on me, I know you still feel it too. All the constant memories, so tell me this isn't true. You and I were meant to be, I'll never do wrong to you. Cause now I know just what you need. So come back, come back, I need you like before. What the dog doing?
Ça, ça l'est pas mal. En plus, Naomi n'a pas de calendrier de l'Avent. Ça, c'est trop magnifique. Naomi va grave aimer ça. Oh, purée, je vais filmer mon argent ici. Oh, ça, c'est trop joli, Naomi. Coucou, je suis rentrée des courses et je vais m'attaquer au montage de chaises. Je dis au revoir à mes anciennes chaises, mes chaises toutes déchirées et bonjour aux nouvelles chaises scandinaves. Donc là, je vais les monter et rien que le fait de vous dire que je vais les monter, je suis morte de rire parce que je n'ai jamais, mais au grand jamais, monté une chaise de ma vie. Même le fait de changer une ampoule, j'attends que mon mari rentre du boulot, sachant qu'il travaille en déplacement. Peu importe le nombre de temps qu'il fera, j'attends qu'il rentre pour changer l'ampoule au fait. Mais là, j'ai décidé de me faire confiance et d'être entreprenante en matière de la maison et certaines choses, parce qu'après tout, tout est expliqué. Voilà, il me faudra bien évidemment de la pratique, mais avec beaucoup de patience, je vais y arriver. On parle souvent de confiance en soi, comme si c'était quelque chose d'énorme et qu'il fallait faire un gros travail sur soi, voir sortir de ce manque de confiance en soi. Mais moi, je crois que la confiance en soi, c'est un sport. Et comme tout sport, il faut y aller à son rythme et il faut trouver son bonheur. Une personne peut faire de la boxe, de la marche, de la course. Une autre personne fera de la pole. Une autre personne fera de la danse. Ce qui compte, c'est de bouger, au fait. Donc, c'est pareil. Lorsqu'on veut booster l'estime que l'on a, c'est de toujours se challenger. Et pour moi, me challenger au quotidien, ça passe par ce genre de trucs que je ne ferai jamais d'ordinaire, au fait. Donc, on va monter les chaises ensemble. Je viens de monter ma toute première chaise de toute ma life. Ouais, ça allait bien, hein. Franchement, pas mal. Ouais, trop cool. J'ai monté ma première chaise. Là, clairement, il m'en manque deux, une ici et une de l'autre côté. Donc, je vais devoir en acheter deux autres.
Ok. I'm a hometown hero, that's the far that I came, but I never knew if it would fall into place. I became what I wanted, and I'm still on the way. Ain't coming home the way I left it, this time something's different. Ain't coming home the way I left it, this time it's my city. Ain't coming home the way I left it, this time something's different. Ain't coming home the way I left it, cause I know you miss me. Busting the door down, coming to your house. It's been a fucking while. It's crazy we grown now, but I'm just a whole child. I'm still fucking around. All my same goals, but got my same jokes. Yes, I came up, but I ain't changed though. Just my hometown knows my name now. Now your best friend is a fan of me. And your fam acting like a family. Heard your gram, yeah, she heard of me. Heard of me. And your man, no, I'm the man to be. Now your best friend is a fan of me. Fan of me. And your fam acting like a family. Heard your gram, yeah, she heard of me. Heard of me. And your man, no, I'm the man to be. Try to take one ride around in my body. Can't say I saw you around when I started, when I started. I'm a hometown hero, that's the far that I came, but I never knew it. Fall into place. I became what I wanted, and I'm still on the way. Ain't coming home the way I left it. This time something's different. Ain't coming home the way I left it. This time it's my city. Ain't coming home the way I left it. This time something's different. Ain't coming home the way I left it. Cause I know you miss me. I'm a hometown hero, that's the far that I came, but I never knew it for worth.
never came what I wanted, and I'm still on the way. Ain't coming home the way I left it this time, something's different. Ain't coming home the way I left it this time, it's my city. Ain't coming home the way I left it this time, something's different. Ain't coming home the way I left it, cause I know you miss me. Try to take one ride around in my body, in my body. Can't say I saw you right when I started, when I started. I'm a hometown hero, that's the far that I came, but I never knew if it would fall into place. I became what I wanted, and I'm still on the way. Ain't coming home the way I left it this time, something's different. Ain't coming home the way I left it this time, it's my city. Ain't coming home the way I left it this time, something's different. Ain't coming home the way I left it, cause I know you miss me. Busting the door down, coming to your house. It's been a fucking while. It's crazy we grown now, but I'm just a whole child. I'm still fucking around. All my same goals, but got my same jokes. Yes, I came up, but I ain't changed though. Just my hometown knows my name now. Now your best friend is a fan of me. And your fam acting like we family. Heard your gram, yeah, she heard of me. Heard of me. And your man, no, I'm the man to be. Now your best friend is a fan of me. And your fam acting like we family. Heard your gram, yeah, she heard of me. Heard of me. And your man, no, I'm the man to be. Try to take one ride around in my body, in my body. Ça y est, enfin les gars, les garçons ont leur rideau. Vous imaginez, on a acheté en 2019 et on leur a jamais mis de rideau dans leur chambre depuis qu'on a acheté la maison. C'est le genre de petites choses, on sait qu'on doit faire, mais on ne fait pas parce qu'on ne décide pas de les faire, quoi. Donc là, je me suis dit, allez, lance-toi. Et je suis vraiment contente de moi parce que, franchement, j'essaie de faire des choses par moi-même, en fait. J'ai pour habitude d'attendre mon mari, de compter trop sur lui. Et bah, du coup, ça fait que j'ai pas vraiment confiance en moi pour certaines choses. Donc, là, ça l'est de rien comme ça. Mais je suis fière de moi, en fait. Je suis fière de moi. Mes premiers rideaux que je mets tout seul. Toute seule. Ah! Là, maintenant, je vais changer les draps des enfants. Je vais également mettre leur couette. Mais avant tout ça, faut que je range le linge que j'ai plié. Can't say I saw you right when I started, when I started. I'm a hometown hero, that's the far that I came, but I never knew if it would fall into place. I became what I wanted, and I'm still on the way. Ain't coming home the way I left it this time, something's different. Ain't coming home the way I left it this time, it's my city. Ain't coming home the way I left it this time, something's different. Ain't coming home the way I left it, cause I know you miss me. Busting the door down, coming to your house. It's been a fucking while. It's crazy we grown now, but I'm just a whole child. I'm still fucking around. All my same goals, but got my same jokes. Yes, I came up, but I ain't changed though. Just my hometown knows my name now. Now your best friend is a fan of me. And your fam acting like a family. Heard your gram, yeah, she heard of me. Heard of me. And your man, no, I'm the man to be. Man to be. Now your best friend is a fan of me. Fan of me. And your fam acting like a family. Heard your gram, yeah, she heard of me. Heard of me. And your man, no, I'm the man to be. Try to take one ride around in my body, in my body. Can't say I saw you right when I started, when I started. I'm a hometown hero, that's the far that I came, but I never knew if it would fall into place. I became what I wanted, and I'm still on the way. Ain't coming home the way I left it this time, something's different. Ain't coming home the way I left it this time, it's my city. Ain't coming home the way I left it this time, something's different. Coming home the way I left it, cause I know you miss me now. I wish you could show me that love at the place I'm from. They raised me good, none of these days can touch my
break. I've really been going out of my way. I'm coming right back and it'll be worth the wait. Yeah, yeah. Yes, I've been grinding, no by the day. Yes, I'm in the sky, but not flying away. But don't know what you got until you lay, yeah, yeah. Try to take one ride around in my body, in my body. Can't say I saw you around when I started, when I started. I'm a hometown hero, that's the far that I came, but I never knew if it would fall into place. I became what I wanted and I'm still on the way. Coming home the way I left it, this time something's different. Ain't coming home the way I left it, this time it's my city, yeah, yeah. Ain't coming home the way I left it, this time something's different. Ain't coming home the way I left it, cause I know you miss me now. Try to take one ride around in my body, in my body. Can't say I saw you right when I started, when I started. I'm a hometown hero, that's the far that I came, but I never knew if it would fall into place. I became what I wanted and I'm still on the way. Ain't coming home the way I left it, this time something's different. J'ai fini le ménage et là je suis dehors, il fait très très froid, il fait très 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 froid, mais ça fait du bien parce que j'ai passé la journée à faire le ménage et je voulais prendre un bol d'air frais, je voulais marcher un peu et puis bah, après on va chez Noah qui a judo et puis voilà, on récupère les enfants et puis voilà. Allez. On va chez Noah. Donc aujourd'hui, je récupère que Noah. Les autres vont prendre le car scolaire. Comme ça, ça me fait un petit date avec mon fils. Je vois rien. Alors, juste derrière moi, il y a portail. Tu peux te calmer, monsieur. J'essaie de... Je ne vous ai pas raconté ce qui m'est arrivé ces temps-ci. Depuis l'accident, bah, votre go là, elle a peur dès qu'elle arrive. Bon, j'ai pas peur, mais... Dès que je dois rentrer en contact avec une autre voiture, par exemple, si c'est le rond-point, si c'est de le passage, si c'est... bref, dès qu'il y a une voiture qui est en face, mais je me méfie tellement, je ralentis. J'ai tellement peur maintenant que quelqu'un me rentre là-dedans que... Oh, quoi. Bon, les gars, je suis arrivée devant l'école de Noah, et il est 25. Et il finit à 50. Donc, j'ai 25 minutes à pouvoir arrêter dans la voiture. Quitte à pouvoir arrêter dans la voiture, vaudrait mieux mettre ce temps à profit. Donc, je vais profiter pour papoter avec vous, pour vous parler de mon mois d'octobre qu'on avait planifié ensemble. Du coup, en anglais, ça, c'est ce qu'ils appellent le monthly reflection. Donc, on parle du mois précédent, des objectifs. Est-ce qu'ils ont été réalisés? Donc, pour le mois d'octobre, au niveau du travail, j'avais prévu lancer mon projet, Textured. Et ces choses faites, j'ai pu le lancer. Du coup, initialement, j'avais prévu le lancer le 16 octobre, mais il me semble que j'ai dû le lancer le 18. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'il a été lancé. C'était très, très bien accueilli et tout. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que une grande différence entre
être présent sur les réseaux sociaux en tant qu'entreprise et être présent sur les réseaux sociaux en tant que créatrice de contenu. Donc, blogging, un peu genre vie perso et tout, c'est vraiment pas la même chose. Rien qu'au niveau de la création de contenu, c'est pas du tout la même chose parce que pour de la couleur dans nos vies, je peux parler de tout et de rien. Je peux parler de comment est-ce que je me sens aujourd'hui. Je peux parler de ce que j'ai pu apprendre en tant que maman. Je peux parler d'une difficulté que j'éprouve personnellement. Ça peut être, par exemple, la prise de poids ou l'organisation. Bref, je peux parler de tout et de rien. Par contre, par rapport à Textured, c'est vraiment bien ciblé. C'est des soins capillaires pour enfants. Donc, la création de contenu doit être axée enfants et soins. Et du coup, étant donné que ça me demande de faire quelque chose de très ciblé et que j'avais arrêté de faire quelque chose de ciblé. Vous savez, avant, je faisais que du capillaire sur ma chaîne YouTube, partout et tout. Et après, j'ai décidé de diversifier parce que ma vie ne s'arrêtait pas à ça. Du coup, j'ai pris l'habitude de parler de tout et de rien et me retrouver à devoir parler de quelque chose de très niché. C'est un peu compliqué. Le deuxième objectif pour le mois d'octobre, c'était d'être régulière sur YouTube et je suis vraiment contente parce que j'ai cette base là d'une vidéo la semaine. D'ailleurs, parlant de YouTube, je pense déjà au Vlogmas. Je n'ai jamais eu la chance avec les Vlogmas. La première année où j'ai voulu faire des Vlogmas, je suis tombée gravement malade. Donc, j'ai fait, je pense, deux vidéos maximum. Après, j'ai pas fait grand chose. L'année dernière, quand j'ai voulu faire des Vlogmas, j'ai fait 1, 2, 3 vidéos, je pense, maximum, et ma vidéo s'est cassée. Donc, et ma caméra s'est cassée. Donc, quand ma caméra s'est cassée, j'ai pas pu continuer. J'étais tellement dégoûtée et tout que j'ai arrêté les Vlogmas. Du coup, là, je ne sais pas. Je ne sais pas si je ferai les Vlogmas. Je sais pas. Je suis pas sûre d'avoir l'épaule assez solide et d'avoir le temps de faire les Vlogmas. Je me dis maximum peut-être vous proposer une vidéo de plus en faisant peut-être une vidéo à thème le mercredi, je sais pas. Vous me dites ce que vous voulez. Je me dis je peux peut-être faire une vidéo le mercredi, ça pourra être soit un haul, ça pourra être soit un thème en particulier ou une recette puisque maintenant que je mange moins dehors, je fais beaucoup plus à manger. Donc, ça pourrait être une recette qu'on découvre ensemble. Donc, aider in my life ou une journée dans mon assiette. Vraiment quelque chose de très, très précis, vous voyez. Et puis, le dimanche, ça reste le vlog. Comme ça, je fais une concentration de tout ce que j'aurais pu faire dans la semaine. Et je monte ça le dimanche, en fait. Comme ça fait que pour les Vlogmas, on peut avoir 2 vidéos la semaine. Je pense qu'une cadence de 2 vidéos, dans ce qui reviendrait à 8 vidéos pour le mois de décembre, je pourrais peut-être tenir, sachant qu'à côté, il y aura des collaborations, qu'il y aura la vie de maman, qu'il y aura ma vie à l'église, qu'il y aura ma vie, bref, ma vie, quoi. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que je peux faire pour être avec vous. Voilà. Pour les finances, le premier objectif, c'était d'être plus intentionnelle avec mes finances. Parce que de nature, je suis quelqu'un, je ne me préoccupe pas de mes finances. Je ne regarde pas mon compte. Est-ce que mon solde, il est à... Quel est mon solde? Bref, je ne suis vraiment pas pressée, ce genre de choses. Pour vous dire à quel point je ne suis pas pressée, c'est que mon agent peut me dire, par exemple, Kiki, fais-moi ta facture. Et au lieu de lui faire la facture automatiquement, il peut se passer comme ça 4-5 jours avant que je lui fasse ma facture. Ou mon mari peut me dire, Kiki, je t'ai fait un virement, mets ça sur ton compte avant que telle facture ou que telle chose ne passe. Je vous assure que je peux ne pas le faire. Et lui dit, mince, je suis à découvert. Il va me dire, mais je t'avais dit de transférer ça, nanana. Donc, en fait, ça me saoule d'être comme ça, de ne pas me préoccuper des finances. C'est un peu comme si je me dis, l'agent ne fait pas tout. Oui, c'est bien beau de penser que l'agent ne fait pas tout, mais l'agent est important. On est d'accord. Et c'est irresponsable de se dire, je laisse mon compte comme ça. Et à côté, je dépense, bien sûr. Parce que ça serait pas intéressant si je dépensais pas. À côté, je fais des dépenses et je regarde pas mon compte. C'est vraiment pas responsable de ma part. Donc, je vous avais dit que je voulais être plus intentionnelle par rapport à cela. Et
Une chose que j'ai remarqué, c'est que je fais très, très peu de shopping. Ça me rend triste aussi parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'aimerais vraiment m'acheter des vêtements. J'ai envie d'acheter des vêtements. Je me dis non, quoi, parce que j'ai eu tellement de comportements irresponsables qu'aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, aujourd'hui, je connais ce qu'on appelle être à découvert. C'est quelque chose que je connaissais pas avant. Donc, en toute honnêteté, je me rends compte que je gagnerais à être plus responsable avec mes finances et me dis, je n'achète pas parce que je veux acheter, j'achète si et seulement si c'est OK. Vous voyez. Le deuxième objectif financier, c'était de recenser mes dépenses. Donc, je vous avais dit que chaque mois, je vais avoir un tracker pour mes dépenses. Mais comment vous dire que ça, c'est, je pense que je vais laisser tomber parce que c'est, ça rend triste. On s'est dit, waouh, je suis sortie en une journée, j'ai dépensé 100 euros, j'ai dépensé 150, 200. En fait, le fait de recenser mes dépenses me fait prendre conscience de comment est-ce que, mais une journée dehors, même pas une journée, à peine on met le pied dehors que déjà 100 euros sont partis, en fait. Donc, ça me stressait de me dire, purée, comment j'ai pu dépenser ça, nanana. Donc, honnêtement, en octobre, je n'ai pas fait de tracker. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire des trackers. Je sais pas. C'est une bonne idée parce que ça me calme. Je me rends compte que, bah oui, j'ai dépensé de l'argent, quoi. Ensuite, pour tout ce qui est personal growth, donc développement personnel, j'avais pour objectif de m'ouvrir davantage aux autres, de booster ma confiance en moi. Et ce mois a été éprouvant pour moi. Ce mois, il était très éprouvant pour moi parce que il y a des jours où j'ai l'impression de vraiment gagner en confiance, de que le regard des autres ne m'atteint pas, le jugement des autres ne m'atteint pas. Et il y a d'autres jours où j'ai l'impression de sombrer, de couler, parce que finalement, la moindre remarque me replonge dans mes anciennes habitudes qui sont malsaines, quoi. Je commence à me dire, oui, t'es nu, t'es comme ci, t'es comme ça. Bon, après tout, t'es comme ça. Bon, bref, ça m'énerve même de penser que je pense ça de moi. Donc, je me rends compte que le chemin est encore long. Je vous assure que je déteste le fait de me dire que j'ose manquer de confiance en moi. Je déteste. En fait, je me dis qu'en vrai, il n'y a pas pire relation toxique que la relation que l'on a avec envers soi lorsqu'elle n'est pas au bon fixe. C'est-à-dire, il n'y a pas pire relation toxique que le manque de confiance en soi. C'est de l'auto-sabotage, l'auto-flagellation, c'est de l'auto-destruction. En fait, il n'y a rien de pire que de manquer de confiance en soi. Là, je réalise ça, en fait. On a beau dire, il y a des personnes toxiques autour, mais il n'y a rien de pire que d'être toxique envers soi, en fait. En fait, t'es ta propre gangrène, t'es ta propre plaie, c'est pas possible. Tu t'auto-censures, tu... Bref, ça me saoule, rien que de vous parler, ça m'énerve. Ça m'énerve de me sentir comme ça. Et des fois, je me demande, est-ce que dans mon enfance, il y a quelque chose que mes parents auraient pu faire qu'ils n'ont pas fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a tellement marqué qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile pour moi de sortir de ma coquille? C'est dingue. Try to Enfin take bref. one ride around in my body, can't say I saw you around when I started, I'm a hometown hero, that's the far that I came, but I never knew if it would fall into place, I became what I... Recoucou mes colorés, on se retrouve samedi 11 novembre, il est 18h54 et je suis dégoûtée, tellement dégoûtée. J'ai passé quasiment 1 heure à vous parler, à vous montrer le planning, de mon planning du mois de novembre, me rendre compte que ma vidéo n'était pas activée en fait. Donc là, cette fois-ci, je vous parle avec la caméra avant du téléphone pour être sûre de voir puisque je filmais à l'aveugle.
Donc, comment vous dire que je n'ai plus la force ni le temps de vous parler en long et en large du planning, parce que là, à 18h54, il est déjà l'heure pour moi de faire à manger pour mes enfants. Mais je vais quand même vous faire un petit point, parce que c'est ça le but aussi de cette vidéo, c'était de faire le planning avec vous. Je ferai de mon mieux pour que le template Notion soit disponible pour vous aussi en barre d'infos, comme ça vous pourrez créer votre planning du mois. J'espère pouvoir le faire en tout cas. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait une version papier de mon planning parce que simplement, je filme avec mon téléphone et que c'est un peu galère de voir tout ce que j'ai prévu sur Notion. Ça m'oblige à être sur l'ordinateur pendant que je vous parle et c'est pas forcément la chose que j'aimerais faire. Donc voilà. Ah oui, avant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Action. Il est trop mignon ce calepin, regardez. Donc c'est un planner que j'ai eu à moins de 3 euros. Regardez, il est vraiment magnifique. L'intérieur est vraiment très très beau. Donc voilà, il est vraiment trop mignon. Donc je l'ai acheté parce que je me dis, même si j'aime bien que tout soit dématérialisé, ça serait pas mal pour moi d'avoir un agenda, même, ne serait-ce que même pour mes coachings. On va passer au planning du mois. Du coup, pour novembre, le travail. Je me suis fixé deux objectifs pour le travail, à savoir la régularité sur YouTube. Donc, une vidéo semaine, je trouve que c'est top parce que ça me permet de pouvoir être régulière. Également, il me faudrait planifier. Donc, j'ai écrit planifier une plage horaire pour Textured. Parce que je me suis rendu compte que la création de contenu prend le dessus sur ce qui est mon business maintenant. Donc, Textured. On va passer maintenant aux finances. Pour les finances, j'ai du coup mis à avoir plusieurs séances de coaching. Il me faut toujours me il faudrait que je définisse vraiment ce que j'attends en termes de revenus avec Textured, parce que c'est bien beau de dire j'ai lancé Textured, mais qu'est-ce que j'attends vraiment? C'est par rapport à mes aspirations que je vais pouvoir manifester, que je pourrais attirer à moi ce que je veux. Je me fais de l'argent, mais je me fais combien? Donc là, je dois travailler là-dessus pour pouvoir vivre de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, je vais être honnête avec vous. En toute honnêteté, je ne suis pas autonome financièrement. Je dépends de mon mari, de sa carte bancaire, beaucoup de choses. Et ça me saoule. C'est pas vraiment ce à quoi j'aspire. Même si je sais que d'un côté, ce que je fais n'a pas de prix parce que je m'occupe des enfants. Je m'occupe de la maison. En plus, à côté, je fais rentrer aussi de l'argent à ma manière avec la création de contenu. Bref, mais je trouve que si j'étais toute seule comme ça, la création de contenu ne me fait pas vivre. Donc, il me faudrait vraiment me donner à fond et me fixer des réels objectifs financiers pour pouvoir vivre de Textured, de pouvoir faire quelque chose qui me passionne et y vivre, au fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, pour tout ce qui est développement personnel, mon objectif, c'est de continuer à booster la confiance en moi, que je puisse avoir davantage confiance en moi, parce que la confiance en soi, ça reste un exercice. Donc, il faut que je continue à m'exercer là-dedans et que je puisse continuer à me challenger, donc sortir de ma zone de confort, prendre du temps pour moi également en termes d'objectif personnel. C'est bon, ça serait vraiment ça. D'arriver à me dégager un réel temps pour moi, parce que j'aimerais vraiment être mieux organisée et que dans mon organisation, j'intègre du temps pour moi. Pour moi en tant que personne, pas maman et tout, non, moi en tant que Kiki. D'ailleurs, parlant de temps pour soi, j'organise mon tout premier événement qui est Échappé Coloré. Ce sera le samedi 2 décembre de 14h à 16h à Nantes. Fait une pause bien méritée autour d'une activité qui sort du commun. Et là, ça sera de la pole dance. Et il y aura l'apéro, il y aura des cadeaux avec lesquels les participants repartiront. Il y aura un temps d'échange, ça sera vraiment trop, trop bien. Donc, je vous mets la billetterie en barre d'infos parce que oui, l'événement est payant parce qu'il y a une activité. Mais tout le reste est offert, en fait. L'activité est payante. Mais l'apéro, les cadeaux, tout ça, ça sera offert. Donc, prenez vos billets si vous êtes sur Nantes et environ. Je vous attends samedi 2 décembre. Je mets la billetterie en barre d'infos.
cliquez là-dessus, n'oubliez pas. Je n'ai toujours pas terminé mon livre, malheureusement, et ça me saoule. J'ai lu quand même pas mal. J'ai lu 54 pages. Non, j'ai lu ça, il me reste tout ça. Voilà, et franchement, ça me saoule. Donc, je me demande si je ne vais pas changer de livre. J'hésite entre ces deux-là. Donc, Être mère sans s'oublier, qui est quand même un tout petit livre que je pense qu'on peut lire assez rapidement. Il fait à tout casser 94 pages. Et sinon, il y a celui-là qui est « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'as qu'une ». Donc, j'hésite à mettre une pause à ce livre-là et aller sur de nouveaux livres. Mais bon, je me dis, c'est pas cool aussi de commencer quelque chose qu'on ne termine pas. Donc, à voir. Mais mon objectif, l'un de mes objectifs du coup pour le développement personnel, c'est de finir un livre par mois, franchement. Ensuite, pour tout ce qui est santé et bien-être, j'aimerais les filles me lever à 5h30, 6h, parce qu'actuellement, je me réveille à 7h et je m'endors très tard. Mais je me rends compte que je ne suis pas du soir, en fait. Le soir, je pique du nez, j'ai du mal à me concentrer et je trouve que ça serait plus simple de me lever le matin, parce que le matin, je suis plus calme, je suis plus créative, je suis plus disposée. Donc, je pense que je suis quelqu'un du matin, je ne suis pas du soir. Donc, pour l'instant, tout ce que je fais, mon organisation en termes de temps de sommeil, c'est contre-productif pour moi, puisque la nuit, je ne fais pas grand-chose, je n'arrive pas à vraiment me concentrer la nuit. Donc, c'est bon, je vais changer de routine. Je vais passer une routine le matin, parce que je pense que je suis quelqu'un qui est plutôt matinal et qui du coup, ça serait dommage de dormir tard, me lever tard, voilà. Donc l'objectif, c'est de me réveiller entre 5h30 et 6h du matin. Également, reprendre mes séances dance workout. Malheureusement, j'ai arrêté pour le mois de novembre. Le mois d'octobre, j'ai fait une seule séance de dance workout parce que je n'ai quasiment jamais eu le temps. Et je sais qu'en soi, on a tous 24 heures, donc c'est la volonté de vouloir faire une chose qui détermine si on la fait ou pas. Donc je pense que je n'ai pas été assez intentionnelle par rapport au dance workout, raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. Donc là, j'ai mis vraiment reprendre mes séances. Et voilà. Et pour tout ce qui est famille, mon objectif pour le mois de novembre, c'est continuer les dates avec mes enfants. Je trouve que ça a vraiment amélioré notre temps en famille, dans le sens où cette semaine, par exemple, j'ai quasiment passé la semaine, ou les enfants ont passé la semaine sans regarder la télé. J'étais tellement focus sur le temps de qualité qu'on devait passer que je n'allumais pas la télé. Et j'ai remarqué que mes enfants étaient moins excités, il y avait moins de cris parce qu'ils étaient occupés à soit faire de la pâte à modeler, écouter le livre audio, dessiner, colorer, colorier. Ils avaient toujours quelque chose qui les occupait. Et bien évidemment, il y a quelques cris, mais ce n'était pas comme quand ils étaient devant la télé, en fait. Donc, je vais continuer à faire des dates avec mes enfants. Voilà. Donc, pour la famille, c'est vraiment ce qui reste. Donc, voilà. All the blessings you give me. Un shivana pum me so mi un yamiño. I said I saw one in your man. It make me shine like a bright star so they could see you in me. It pour me a blessing like holy water. She ran a boom with so hey. All the blessings I get, I did get it from you. Love will never end. Love
superstar. And I knew it from the start. You done make me go higher. Me, young man. You bless me. Power that got me. You done bless me. Tell me, Shabba, by me free, and she ran up on me so. All the blessings I get, I did get it from you.